Le Monde diplomatique analyse. Allié indéfectible d'Israël pour des raisons historiques aisément compréhensibles, l'Allemagne a dérivé depuis le 7 octobre vers une position de soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Tel Aviv et réprime les populations musulmanes au nom de la lutte contre l'antisémitisme. La politique du pire au nom du bien par Pierre Rimbert. Le Monde diplomatique, décembre 2023. Lus par Thibaut de la Vigne. Après l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas, le chancelier Olaf Scholz a rappelé que la sécurité d'Israël est raison d'État pour l'Allemagne le 12 octobre. Mélange de travail de mémoire et d'habileté diplomatique, ce positionnement a pris cette fois un accent particulier. Plusieurs responsables progressistes de premier plan ont pointé du doigt la population musulmane, de 5,5 millions de personnes, comme source d'un nouvel antisémitisme et donc comme une menace intérieure. D'ordinaire en pointe dans la lutte contre le racisme, le président Frank-Walter Steinmeier a exhorté les gens d'ascendance palestinienne ou arabe à rejeter fermement le terrorisme le 8 novembre. Une semaine auparavant, le ministre de l'économie Robert Abeck avait donné le ton dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Lorsque des juifs et des juifs sont attaqués, prévenait-il, les musulmans d'Allemagne doivent marquer clairement leur distance avec l'antisémitisme afin de ne pas compromettre leur propre droit à la tolérance, le 1er novembre. Mais si l'ensemble des musulmans doivent répondre des agissements du Hamas, nul n'invite les chrétiens et les juifs d'Allemagne à dénoncer les attentats d'extrême droite ou les crimes de guerre de l'armée israélienne. Incarnation de la nouvelle identité atlantiste et bourgeoise des Verts, M Habek a profité du conflit pour chapitrer les militants attachés aux positions pacifistes que défendaient les Grunnen dans les années 1980. Je m’inquiète de l'antisémitisme chez une partie de la gauche et malheureusement aussi chez de jeunes activistes. L’anticolonialisme ne peut pas conduire à l'antisémitisme. Ainsi cette partie de la gauche devrait revoir ses arguments et se méfier des grands récits de résistance. En même temps que le chancelier célébrait le 26 octobre dernier Israël, un État démocratique guidé par des principes très humanitaires, et s'opposait à tout cesser le feu, la répression s'abattait sur les sympathisants de la cause palestinienne. Interdiction des manifestations contre les bombardements israéliens dans plusieurs régions, défense de brandir un drapeau palestinien, prohibition du port du kefier dans certaines écoles. À Berlin, qui abrite une importante communauté palestinienne, les autorités ont révoqué le droit d'utiliser des slogans comme Stop the War ou Free Palestine. À Francfort, la direction de la Foire du Livre a reporté sinédié la remise d'un prêt littéraire à la romancière palestinienne Adania Shibli, prévue le 20 octobre, au motif qu'il convenait de rendre particulièrement audibles les voix israéliennes. Co-présidente du Parti social-démocrate, le SPD, Madame Saskia Esken a jugé crucial d'annuler une rencontre avec le sénateur américain Bernie Sanders, ce dernier ayant qualifié de crime de guerre les bombardements aveugles à Gaza. Préoccupé par la recrudescence des actes judéophobes depuis le 7 octobre, M. Félix Klein, commissaire fédéral chargé de la lutte contre l'antisémitisme, a également exprimé son inquiétude face à l'érosion des libertés et rappelé que manifester est un droit fondamental. Faire planer la suspicion générale que tous les musulmans sont antisémites n'aide en rien, d'autant que les 5 sixièmes des actes contre les juifs recensés en Allemagne jusqu'au 7 octobre étaient attribués à l'extrême droite. À la culpabilité historique allemande s'ajoute un calcul politique. Dans le grand moment de vérité actuelle, les valeurs d'accueil, de tolérance, de protection des civils, de respect du droit international célébré en défense de l'Ukraine se révèlent un décor de papier crépon. Au point que la presse incendie cet totems. Hermann d'une idole, Greta Thunberg et les ennemis de gauche d'Israël. Titre en couverture l'hebdomadaire Der le 18 novembre, qui mobilise pas moins de six journalistes pour dénigrer la militante écologiste. Naïve ou antisémite, se demande le journal. Au sein de la télévision publique ARD, un glossaire indique aux journalistes les mots à écrire comme ceux à proscrire. Nous continuons à parler d'attaque de Gaza contre Israël ou d'attaques terroristes contre Israël précise une circulaire du 9 octobre. Mais ce qu'il faut absolument éviter, ce sont des mots tels que « spirale de la violence » et même « escalade au Proche-Orient ». Éviter l'expression « combattant du Hamas ». Comme l'a décidé le rédacteur en chef, nous ne devons pas utiliser d'euphémisme, mais parler de « terroristes du Hamas ». De son côté, l'influent tabloïd Bild, le 13 novembre, mène une campagne sur le thème « Révoquer le passeport de la réfugiée RIM ». Cette jeune femme, filmée il y a 9 ans en compagnie de la chancelière Angela Merkel, se voit désormais qualifié d'antisémite par le quotidien pour avoir posté sur les réseaux sociaux le message sur la palestine du fleuve à la mer un ancien conseiller de madame merkel réclame sa déchéance de nationalité israël comme rempart contre l'islamisme l'antisémitisme comme prétexte pour juguler l'immigration à la culpabilité historique allemande s'ajoute un calcul politique qui explique l'alignement empressé des dirigeants sur le gouvernement israélien peu après l'attaque du Hamas, le président de l'Union chrétienne démocrate, la CDU, expliquait sur X. L'Allemagne ne devrait pas accueillir de réfugiés de Gaza, cela aggraverait le problème de l'antisémitisme le 27 octobre. L'alternative pour l'Allemagne, AFD, parti d'extrême droite qui se présente comme le plus intransigeant défenseur d'Israël, à la fois par connivence politique avec son premier ministre Benjamin Netanyahou et par islamophobie, se frotte les mains. Sondé à plus de 20% d'intention de vote malgré sa radicalisation, il s'installe comme la deuxième force du pays à l'orée d'une année électorale, élection européenne suivie de scrutins dans trois lenders. L'intellectuelle Caroline Emke a décrit le boulevard qu'une telle situation offre à cette formation, dans Suddeutsche Zeitung le 17 novembre. Assise dans les gradins de ce triste spectacle, l'AFD se délecte du match entre les ressentiments racistes et les ressentiments antisémites, et applaudit les dirigeants qui débrident les premiers pour combattre les seconds.